Bonjour à toutes, ici Sky Caraxa, j'espère que vous êtes au meilleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 27e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors là, oui, j'étais le dernier épisode, j'étais au centre Pokémon, mais là, je me suis dit que je voulais faire évoluer, dans le fond, éclore l'œuf. Donc, le voici. Oui, c'est un petit évolu qui sort. Tout mignon, tout choupi. Elle m'a dit c'est clou. Non, on n'aime pas. C'est sans main. Du coup, vous avez vu, on a eu un petit. Evoli, du champignon. Un coucou de mer je marche sur un véhicule à table de l'unité. Quand le Pokémon utilise une capacité du même type que lui, le bonus de puissance qu'elle reçoit est encore plus important que le bonus normal. Il est bizarre. Lui, il est calme, il est imbécile, il est foufou. Il faut fouler aussi. Ok. Alors c'est sûr qu'on va le mettre en premier. Et voilà. Alors dans mes Pokémon. J'ai une petite plante. Faudrait qu'on le fasse évoluer, mais justement en une petite plante. Ok, mettre lui. On va mettre une repousse. On va lire ce qu'elle. Comment qu'elle appelle ça? Vous allez voir. Oh, c'était pas si loin que ça. Peut-être. Ah oui. On va prendre un autre. Voilà, on va laisser ici. Non plus. Il n'y a pas une vache, quelque chose comme ça. Non. Ça me dit, j'avais vu une pierre, je sais pas trop, pour faire évoluer les menus. Du coup, c'est pas ici. Oh, c'est pas grave. On va. Ok. Dans le fond, on va aller dedans. Mais moi, c'est vrai, on a pas passé le problème de Barbara. Alors, ça, on va faire ça.
Si tu aimes tes Pokémon au point de pouvoir en parler pendant des heures, je te conseille de faire un tour au fan club Pokémon. Ici, et il est ici sur la rue du Tomb Raider, tu peux pas le manquer. Ce Barloche m'a sauvé la vie au mont Vela. T'en aurais pas besoin par hasard. Je vais bien te l'échanger contre un Tentacool. J'ai pas de Tentacool. Je te fais confiance pour t'occuper de mon Pokémon. T'as de la chance, les Pokémon échangés gagnent plus de points d'expérience. Hein? Les Pokémon que tu m'échanges viennent d'évoluer. Parce qu'il y en a qui évoluent en pas échangé. Cool! Le mieux, c'est d'enseigner des capacités méga puissantes aux Pokémon avec une super attaque et les utiliser tout le temps. Mais le truc, c'est quand l'adversaire utilise sa brille pour se protéger leur élément. C'est ça. Tu es déjà allé au supermarché Bradley Prix? C'est le royaume des bonnes affaires. Mais à ces prix-là, je me demande si la qualité est vraiment au rendez-vous. D'accord. On va faire un peu de tourisme. On vérifie un peu. Tiens, tu fais le tour des îles? Je ne voudrais pas te déranger, mais est-ce que tu es courageuse, carrément? Ouf, ça tombe bien. J'aurais besoin d'un conseil de la part d'une personne courageuse. Je peux te parler un instant? Oui. Rien que de t'adresser à parole, ça me fait déjà super peur. Tu vois à quel point je suis courageuse, c'est pas terrible, hein? Alors je me suis dit que si quelqu'un de courageux me racontait ses exploits, j'aurais peut-être moins peur. Tu veux bien faire ça pour moi? Vous n'avez pas... Malheureusement, rien de très intéressant à raconter. Ah, dommage. C'est pas grave, vraiment. Je veux plus Moline. J'ai bien envie d'aller me chercher une canne à pêche en bord de mer. Un simple objet peut complètement changer une vie, vous voyez. C'est ça. Bonjour, bonjour, c'est ça, tu te souviens de moi, la seule et unique, la future star qui brise. Ah oui, tu es un petit peu pour, pourquoi pas. Excellent, histoire de faire profiter un peu mon éventail de talents, je prends un style différent. allô là, douce petite brise, allô là, porte-moi jusqu'à la victoire. Avec ses lignes. On sent moins la bête cachée. Ouf, la mèche. Tranchée. Maintenant, on va tout ça. Voilà, adieu la victoire. Voilà, merci, c'était ma version à moi, style Hula. Tu t'es bien senti porté par le vent.
Merci de m'avoir senti de servir de public test. Elle est partie. Pas grave. Je vois rien. Ah. Quoi? Je vois qu'il va prendre tout aussi. Hein? Ok. On devrait renommer le fan club Pokémon dans la fédération des plus grands fans de Pokémon. Barbara, la capitaine, est vraiment un compte en plus. Son non, Barbaragou. Est un régal, miam. Ouais. On veut en faire vraiment un petit tourisme et tout. Je vous en prie. Salut, on est des membres du fan club des Malasada. Moi, c'est Salma. Voici Baffy, mon coco-fan. On se donne à fond pour faire connaître au monde entier la joie de manger des Malasada. Tu es prêt, Baffy? Alors, c'est parti. Vous aimez les grosses portions? En avoir pour votre argent, vous gavez comme des cochons goulus. Ne cherchez plus. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Un Malasada, Maxi. Allez, j'attaque. Bah. Je sais pas trop. Ma parole, j'en envoie pas le. Bref. Je joue des Maximiliards depuis 10 minutes. Et je l'ai à peine entamé. Bref. What? Mon attendant elle va exploser rapide, c'est grâce. On a appris le slogan de la pub par cœur, tandis que on est bon. Par contre, Coupe Canaille en tant que mascotte des Malasada, façon je trouve pas ça top. Bah moi, on trouve même pas ce Pokémon à la blague. Alors que quand on baffe, c'est plus ce qu'il faut. Il déborde de bon goût lui aussi. Bah. Ils sont gentils et ça part d'une bonne intention, mais comment dire, ils sont un peu, ils ont la force. Enfin, au boulot, j'ai des Malasada sur la planche. On va continuer à chanter jusqu'à ce que notre boutique prenne comme malade mascotte ou alors ma fille va craquer ses organes jusqu'à ce qu'on lui donne du lait. Le même comme thème. Ça devient relou. Hein. À un moment donné, il faut qu'il arrête de parler parce que là. J'ai trop parlé, ça me fout.
Le fan club de Pokémon. Kyrie. Le président sensationnel. Il aime tellement les Pokémon qu'il a débuté un véritable sixième sens pour déceler les degrés d'affection entre un Pokémon et son rival. Allô, Alola, Allô, le Tengalg et d'autres civilisations, bienvenue au fan club Pokémon. Ici, on propose aux Pokéfans du monde entier de se prendre en photo en compagnie de leurs petits Pokémon. Et je te présente mon chouchou à moi, j'ai nommé Gontram ou Mias. Mias. Il est trop chou, Kiaï. Oups, pardon, je me suis encore emporté. Mais il est tellement choupidou que je pourrais parler de sa choupidoucité pendant des heures. Bref, tu veux prendre une photo avec un de tes Pokémon préférés? Plus tu prends de photos jolies ou studio, photos d'Alola, plus tes Pokémon. Oh, ça m'a gavé. Les piastages, oui. Oh, j'ai pas un aspect. Mais nature que lui c'est fou, hein? Ouais. Alors les piastas dans le fond ça fait qui évolue pas et aussi qui ont la même nature que le Pokémon. Désolé, mais ouf! C'est quelque chose de les entendre parler et tout. Ce n'est pas que dans le sueur et des larmes du don voyant que j'ai pas oublié mes tourmentes. Allez bien, petites amours, en Nihilis et tous. Ce n'est qu'à ce prix que nous obtiendrons la force de protéger les autres. Mako. Tu as l'air en forme? Oh, merci de le préciser. Après des heures de ma bien fou. Toi aussi, tu fais des batailles royales trop cool. Quand je sauve là, je fais très attention aux Pokémon qui traversent la route. Tu sais qu'on peut choisir sa manière de lancer sa Pokéball. Ouais. Je sais pas. Sais-tu où on peut également chercher des Pokémon quand c'est des QR codes? Attends. Zoro. On va faire un petit. Oh. Un Pokémon qui a du cran, ou plutôt qui a le talent cran, va s'en maintenir comme augmenter de 50% s'il sauve d'une attraction de temps. Est-ce moi, faire mes squats, j'en suis à 0. Mais je progresse. Ok. On va voir. Bienvenue, c'est. Passe les prix, attention, ça va brader. Rien que pour vous, sur rien, voici un bon de réduction utilisé dans notre magasin. Ouais, c'est cool. Non, il tient une écriture sur sa poitrine. Je suis un pauvre normal sans le sou. Oh, ici, on donne 1000. Sérieux, tu me demandes vraiment tout cet argent? Yep, une riche jackpot. Je me disais que quelqu'un me donnerait quelques piécettes si je me disais un pauvre Pokémon sur la route, mais là-bas, je suis soufflé partant de rien sans français. Et c'était, ça nous a coûté quand même 1000. C'est une capacité qui va bien avec ma mère de ses repos.
Je te le donne en échange de tout l'argent que tu m'as filé. Bon, c'est pas tout, il faut que je retourne passer moi. Et évite de m'adresser la parole, sinon je risque de me faire pincer. Ok. Du coup, on va arrêter sur cette CD achetée. Désolée, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me ferait vraiment très, très, très plaisir. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci, des bisous. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme dit précédemment. Et si tu veux regarder l'épisode suivant, tu as juste à cliquer sur le milieu. Dans le fond, le petit bouton là. Tu vois là? Petit bouton. Milieu. C'est marqué épisode suivant. Tu vois? Allez! Des pouces bleus, bye bye, des bisous.